Hello Mister. Ça fait maintenant 2 semaines que je suis rentrée à Dakar. Vous savez que j'adore ma routine quand je suis à la maison. Manger, profiter avec mes proches et savourer chaque instant. Mais cette fois, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau, d'inédit. On a donc profité de l'anniversaire de ma copine Aya pour tenter une toute nouvelle expérience. On se retrouve donc dans cette vidéo où on a décidé de se couper de tout stress pendant un court moment et de passer 24 heures sur l'île de Gorée. Hello Mister, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma chambre à Dakar. Je pense que vous savez pas à quel point je suis contente de vous retrouver là. On s'est laissé il y a à peu près 2 semaines, après ma semaine de vidéo. Et depuis, si jamais vous me suivez pas sur Instagram, je vais mon Insta juste là. Si jamais vous êtes pas au courant d'où j'étais, ce que je fais, je suis rentrée à Dakar. Bon, maintenant que c'est fait, je peux l'annoncer. J'étais venue pour le mariage de ma sœur. C'était un mariage incroyable. J'ai trop kiffé, je me suis trop amusée, j'ai pleuré, j'ai rigolé. C'était trop bien. Je vais dormir à Gorée aujourd'hui. C'est une île qui est très très lourde en histoire. C'est là où il y avait la maison des esclaves, etc. Ça, je pense que vous devez tous à peu près connaître. Vous avez forcément entendu parler. Quand les touristes viennent, généralement, ils vont visiter. Nous, quand on y va, on connaît déjà parce qu'on a déjà visité 50 000 fois. Du coup, on y va pour passer la journée, pour manger, profiter de la plage, etc. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma copine. Elle a proposé qu'on aille dormir à Gorée. Genre, je suis déjà partie à Gorée passer la journée, mais dormir, c'est la première fois. Et je me suis dit, mais ça serait trop intéressant de vous vlogger ça. Du coup bref, là j'ai assez parlé, je pense qu'on est en retard. Je vais finaliser ma valise, je vais voir si le repas est prêt, on mange, si c'est pas prêt, on y va. Let's go. Il est 15h30 et j'ai archi faim. Je vais voir si le déjeuner est prêt. Anbi parana. Lan mai anbi. Merci. Dis coucou. Coucou. Je suis pas censée manger, je suis surtout en retard. Mais il est vrai, ce rappel de cette nounou, c'est vraiment ma vie entière. Tu as été repartie chez elle. Et en fait, là, elle est revenue pour le mariage de ma soeur. Et du coup, je suis trop contente. Trêve de blabla, c'est le moment de se mettre en route. Les retardataires, l'anniversaire est... La star est là. La star est là. Wow. Hello. Ça va, this is so cute. J'aime trop, mais ça m'a spoilé parce que je suis déjà venue exactement dans cette chambre. Ah ouais? Oui. Et t'es venue... 500 000 hôtels à Gorée, si vous voulez. On était venus pour la journée. Il y a des caméras de partout. Les paparazzi sont là. Vous avez pas encore mangé? Je lui ai dit on va manger. Ok, je le fais juste mon petit retour. Peux-tu nous expliquer le petit programme que tu nous as concocté? Tu vois, moi on est arrivé un peu plus tôt, donc là les filles elles viennent d'arriver, elles n'ont pas vu la maison. Donc on va faire une petite visite là. Ensuite on va se balader un peu dans l'île parce que je crois que le soleil va se coucher bientôt. Ouais. Moi j'ai pas mangé de la journée, peut-être grignoter un petit truc, profiter un peu de l'île et ensuite on verra pour la soirée. Hein. Au feeling. Feeling au feeling. Cette maison elle s'appelle la Principauté parce que c'était la maison du prince Sadreddin Aga Khan. Et en fait Aga Khan c'est le nom de famille d'une famille très très connue, très très riche dans le monde. Genre ils ont des maisons partout dans le monde, dont à Gorée. Et la maison elle a été rachetée par un Sénégalais, Monsieur Gaye, en 1997. Genre elle a vraiment accueilli beaucoup beaucoup de personnalités, dont le président Senghor parce que c'est un grand ami du prince. Et il y a plein de conseils des ministres du Sénégal qui sont tenus ici, des visites officielles et tout. Donc si ça se trouve dans nos maisons, on ne sait pas qui a dormi. Voilà. Merci. On est à la recherche d'une dame qui vend des fatayas et des beignets. Et ensuite, on va aller se poser pour regarder le coucher du soleil. Hey fataya. Vous avez entendu les filles? Elle a dit pour voir le coucher du soleil, c'est là-bas. Send me
On est arrivé pile à temps pour le coucher du soleil. Coucher du soleil, je sais pas il est où le soleil, mais bon bref. Non mais ça fait trop du bien d'être à, pas à Dakar. Ouais. Tard. Là on est revenu, on s'est douché, on va manger. Il y a une crêperie qui est vraiment pas loin. Il y a une crêperie qui est vraiment pas loin, donc là on va aller manger rapidement et ensuite on va sûrement revenir s'apprêter tout, parce que là, no make-up, no rien du tout, on sort comme ça là. C'est qui ce pain? On sort du resto, c'était trop bon. Dites-vous, on est parti manger à 4. On en a eu pour 20 000. On a tout pris des crêpes salées, ensuite des crêpes sucrées en dessert. Et on a une qui a même pris une deuxième crêpe. Et on a pris des boissons. On en a eu pour 20 000. Franchement, c'était super bon. Il était trop gentil. Ça s'appelait CJ. Donc vraiment, si vous venez, allez-y. Ça s'appelle la crêpe Saint-Louisienne. C'était trop bon. On repart dans notre chambre. Et de base, on était censé se faire belle, aller faire des photos et tout. Je sais pas si on aura l'énergie de faire ça. Et après, on était censé se poser et faire nos vision boards pour 2024. Du coup, j'ai trop hâte de faire mon vision board. Parce que vraiment, cette année-là, mon ambition, elle est à 50 000. Genre, faut que je dead. D'ailleurs, Mego, si jamais il y en a qui veulent se lancer dans la création de contenu pour 2024, les bonnes résolutions et tout, achetez notre e-book avec Farida. On vous donne tous nos conseils pour la création de contenu. Ah. Petit placement de produit pour moi. Mais est-ce qu'on va faire des photos? Je suis très influençable. En fait, c'est parfois je réfléchis et je me dis genre, ok, là je vais être fatiguée de mon make-up, mais quand j'aurai mes belles photos là, ouais, tu seras contente. Je serai contente. En fait, c'est même pas le fait de se maquiller, c'est le fait de se démaquiller. Ouais, purée. Gab, comment vous allez? La chaîne de Zainab, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Très depuis longtemps. Depuis Sally. Depuis Sally. C'est vrai. Notre go, oui. C'est Wally. Vraiment, calme Wally un peu là. Non, Amine, Amine. Est-ce qu'on Amine, dit Amine, Amine. Inch'Allah, Inch'Allah. C'est pas genre plus profond que ça. Non. Moi j'ai eu un prof de Coran, genre toute ma vie, genre je crois de mes 4 ans frère ou 5 ans, jusqu'à ce que je parte à 18 ans. Mais genre c'est pas pour autant que j'avais une réelle genre relation avec le Coran et ça s'est fait que quand je suis partie, tu vois. Ah, je pense que c'est aussi le fait que genre tu fais à ton propre rythme. Ouais. Et on n'est pas en train de te le forcer, tu vois. C'est parce ça. Que quand, quand tu le forces, toi tu le fais pas avec conviction, t'es pas honnête et tout dans ça. Et surtout ça c'est grave une responsabilité parentale. Ouais. To teach people to have a relationship with God. Et en fait c'est pas ça. Le truc, c'est ça. C'est ça que parfois... L'approche, elle est trop brutale. Et surtout, je pense que la, le meilleur moyen pour que quelqu'un aime Dieu, c'est de voir l'exemple de quelqu'un d'autre aimer Dieu. Genre, teaching you who is God. You know, why do I like God? Why did I pick Islam? Et aussi, je suis quand même super reconnaissante du fait qu'on a eu des profs de Coran. I am so grateful. Je me dis ça vraiment, c'est un blessing. Et en vrai, de toute façon, si on n'avait pas eu ça, comment tu peux continuer à lire ton Coran toute seule? Mais et c'est tout. Parce que j'ai des amis aujourd'hui qui sont en train d'apprendre et genre, elles galèrent. Tu vois, le cerveau d'un enfant, genre, il apprend beaucoup plus facilement, tu vois. Ouais, c'est they vrai. They get double reward. Mm. Genre, they get the reward of the effort and the reward c'est of vrai. Whatever they trick. Et moi, I find that so beautiful. C'est vrai. I find that... Le meilleur moment, toi, de te rapprocher de ta religion, c'est genre quand toi, tu prends la décision de te dire, I'm gonna be better et je reviens me rapprocher de ta ça, on peut jamais te forcer. On peut jamais, jamais te forcer. En fait, c'est Dieu qui guide. C'est vraiment ça. It's just the mercy of God. Ouais, voilà, it's just the mercy of God. C'est comme tout, hein. Alhamdoulilah, c'est comme tout. Genre, Dieu, il guide. Mais c'est qui elle? C'est qui elle? Me dis pas que c'est elle qui a dit qu'elle avait plus d'énergie il y a 2 secondes. Si j'ai pas les belles photos. Bah,
T'es pas fatiguée. J'aime pas quand c'est des lumières toutes blanches là. Est-ce que vous savez qu'à ce stade, bientôt je deviens make-up artiste en fait? Non, il faut dire en fait. Je te dis ce qui me fait mal là. Oui. C'est que j'avais des talons rouges, j'ai oublié. Oh non! Ça aurait fait un de ces looks. En fait, je les ai pas oubliés, c'est juste que là, c'est que j'ai plus. Voilà, je suis prête. Et j'ai mis ça avec une abaya comme ça, regardez. J'aime trop. Habillée littéralement juste pour aller faire des photos et revenir. Si ça c'est pas la folie, je suis là-haut. Vous n'avez pas souhaité bonne année. Bonne année mes stars. Je vous souhaite vraiment ce qu'il y a de meilleur au monde. Longue vie, santé, bonheur, amour, argent, tout. Merci d'être là, merci d'être toujours là, merci de toujours regarder mes vidéos, merci de tout. Me soutenir, je vous aime de tout mon cœur, vous êtes mes stars, et je vous aime. Bisous. C'est déjà le moment de partir. Franchement, moi je suis dégoûtée. J'aurais trop voulu rester une nuit de plus. Genre, c'était trop bien. Mais faut déjà faire les affaires. On doit laisser la chambre à 11h. Et vous aurez toutes les infos d'ailleurs en barre de description. Voilà. Et c'est déjà le moment de faire les affaires et de partir. Mais on va quand même rester sur Gorée, genre la journée et tout. Et on prendra la chaloupe dans l'après-midi, non? Ouais, fin de journée. On est en plein milieu du marché artisanal, je crois que c'est trop beau. Coucou les blogs de Zainab. On est proche des canons. Là les filles sont là-bas, elles font des outfit of the day, elles dansent. J'ai envie d'aller me diriger un peu vers la plage pour manger. On est attaqué par des coqs. Tu connais? Non. Juste pour l'esthétique du vlog. Trop beau. Juste après ça, on est allé manger. On a trempé les pieds dans l'eau une dernière fois. J'ai fait ma meilleure sieste au bord de la mer. On a fait un petit tour dans le marché. Et c'était déjà le moment de rentrer. J'espère vraiment que ces 24 heures de Dakar vous ont fait autant de bien qu'à nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et j'espère vous retrouver très bientôt.